Bonjour à toutes et à tous, je suis Tom de chez Specialized France et dans cette vidéo, je vais vous montrer la meilleure manière pour ajuster la selle de votre vélo Specialized depuis chez vous. Hauteur, recul et inclinaison, vous allez devenir incollable grâce à notre tutoriel. Attention, en cas de pathologie, il est indispensable de consulter un professionnel de santé avant de réaliser les réglages qui suivent. Avant de démarrer, il faut vous rendre impérativement sur le site Specialized et sélectionner votre vélo dans la gamme. Une fois sur la page de votre machine, sélectionnez le guide détail et cliquez sur « Trouver votre taille de vélo ». Vous êtes alors redirigé vers notre outil Rétule Bike Sizing, où vous allez, en renseignant quelques informations morphologiques simples, telles que la mesure du genou au sol et de la cheville au sol, obtenir une hauteur de selle préconisée. Il s'agit d'une base de départ qui va vous servir pour les réglages qui suivent. Votre niveau de souplesse, de musculature et votre niveau de pratique affecteront aussi vos sensations et la manière dont votre vélo sera réglé. Pour cette vidéo, nous aurons besoin d'un peu de matériel. Un mètre, un jeu de clés 6 pans, une clé dynamométrique et un fil à plomb. Sur un sol plat, installez-vous contre un mur ou toute autre paroi où vous pourrez facilement vous stabiliser. Ici, faute de mur, nous utilisons un home trainer et un rehausseur pour simuler les conditions que vous retrouverez chez vous. Habillez-vous tel que vous le feriez pour aller rouler. Dans un premier temps, nous allons ajuster la hauteur de selle. Le but ici est d'utiliser ces muscles efficacement et d'optimiser le fonctionnement des articulations. Montez sur votre vélo et faites quelques tours de pédalier en arrière afin que votre bassin se positionne de manière naturelle sur la selle et que vous soyez au plus proche de votre position de roulage. Après quelques tours de pédalier, vous pouvez arrêter. Laissez pendre les deux jambes dans le vide pour que votre bassin soit centré sur la selle. Puis placez une pédale en bas à 6 heures et calez votre talon sur cette pédale. L'objectif est d'avoir un genou complètement étendu, la jambe droite et le talon qui affleurent la pédale. Si votre genou est fléchi, la selle doit être montée plus haut. Si votre talon ne touche pas la pédale, il faut baisser la selle jusqu'à être en appui sur cette dernière. Desserrez le collier de tige de selle et ajustez la hauteur de celle-ci vers le haut ou vers le bas autant que nécessaire. Utilisez une clé dynamométrique pour bien resserrer la vis au couple recommandé. En resserrant le collier de selle, veillez à bien aligner la selle dans l'axe du vélo. Veillez également à noter votre hauteur de selle car vous pouvez désormais la reproduire sur tous vos vélos. Maintenant que la hauteur est ajustée, on passe au réglage du recul. Tout comme la hauteur de selle, ce réglage influe sur l'activation musculaire et réduit les risques de blessures au genou. Maintenant, nous allons utiliser le fil à plomb. Pas de fil à plomb, pas de problème. Vous prenez du fil ou un lacet et vous y attachez un objet assez lourd pour que le fil soit bien tendu. Placez vos pieds naturellement sur les pédales, puis recommencez à pédaler. Arrêtez-vous avec l'une de vos pédales vers l'avant à 3 heures, à l'horizontale. Placez le fil à plomb devant votre rotule et faites-le glisser vers le bas au niveau de la pédale. Le but est d'aligner l'avant de votre genou avec l'extrémité avant de votre manivelle. Si le fil à plomb tombe à l'avant du bout de la manivelle, reculez la selle. Si le fil à plomb tombe à l'arrière du bout de la manivelle, avancez la selle. En réglant le recul, veillez aussi à ce que la surface de la selle reste horizontale. Pour les selles creuses, mettez le tiers central de niveau. Resserrez la selle, là encore, au couple de serrage recommandé. Désormais, il est temps d'aller rouler et de voir comment votre corps ressent ses ajustements. Pour aller encore plus loin dans le positionnement sur votre monture, Specialized propose toute une gamme d'équipements personnalisés pour rendre vos sorties encore plus confortables. Et si en plus du confort, vous visez la performance ultime, nous vous invitons à vous rapprocher vers un de nos revendeurs agréés pour notre étude posturale Rétule Fit. Avec l'aide d'un de nos experts, il s'agira de régler votre vélo dans les moindres détails en personnalisant votre selle, vos chaussures, vos semelles ou encore vos appuis sur les mains afin que confort rime toujours avec performance. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous vous souhaitons un excellent ride au guidon de votre Specialized.